Bien, bonjour à tous et à toutes. Juste une petite vidéo pour vous parler du gémage. Alors, le gémage, ça date de. C'est vieux comme le monde. Hein. Le gémage, ça consiste à ça. C'est-à-dire que le gémage, c'est quoi? C'est aller récupérer ici le gémeur perce trou et ce que nous pose ici des flacons, trois flacons. Il peut percer plusieurs flacons et il va faire un prélèvement. Ici, ce que nous voyons ici, c'est un prélèvement de tout ce qui est résine. Cette résine va être réutilisée, bien sûr, reconditionnée en quelque sorte, hein, à l'origine. Il reconditionne la résine et il va en faire ce que l'on appelle, donc réutiliser la résine dans le but de se servir. Alors, attends que je regarde si le son, paramètre du son, que j'ai tenu quand même sur la ligne du Smith. Petit détail, mais enfin bon, sorti, vide. On va éviter le haut-parleur interne. Hein. Désolé pour ce contretemps. Mais c'est bon, c'est le son. C'est pas grave. C'était pas prévu. Sorti, vide. Oui, d'accord, sorti. D'accord. Bon, on va laisser comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Ça, c'est le problème de la Linux Mint. Bon, donc revenons à notre gémage, petit contretemps. Donc tu vois, le principe est très simple. On prend un pain, ils prennent un pain, ils font un trou dans le pain jusqu'à la partie qui gère la sève. Et cette sève est récoltée ici, dans des bidons, qui ces bidons sont dévissables. Donc ils vissent et ils dévissent le bidon. Ce qui fait que là, ils peuvent récupérer donc la gemme, c'est-à-dire le sève du pain. Cette sève de pain, on sert pour par exemple pour l'essence de térébenthine. C'est ce qui se sert, c'est ce qui sert à l'essence de térébenthine à créer ça. Alors c'est vieux comme le monde, hein. Il y avait des gémeurs à l'époque. On voit ici des anciennes traces de gémage, ici, là, par là. Voilà. Là, bon, ben, c'est un classique de la Gironde, ça. C'est girondin, le gémage. Voilà. C'est de là que vient l'essence de térébenthine. Donc ils prennent des pains assez gros, il reste, pour pouvoir mettre un maximum de tuyaux, mettre un maximum de gemmes. Alors la photo, moi je l'ai prise quand j'étais passé devant, hein, tout simplement, et ça permet comme ça de faire quelque chose de correct et d'intéressant, quoi. Alors tout ça là, ça va être filtré, nettoyé, et ça resservira soit dans des produits chimiques, soit dans des choses comme ça, voilà, notamment l'essence de térébenthine. Oui, la térébenthine et l'autre là, ouais, c'est la térébenthine qui est en essence de pain. Voilà ce que je voulais dire sur le gémage. C'est tout à fait de la région des Girondins, ça, tout à fait Girondins. Ils le font et ça se fait encore. Il y a encore du côté du Porche, je crois. J'avais pris la photo du côté du Porche quand j'étais en voyage. Et ils le font encore. Ils font encore de la gemme. Ils récupèrent. Il y a encore des gémeurs. Alors, tu as tout un tas de forêts de pins qui sont utilisées pour ça, pour la gemme. Ce qu'on appelle la gemme. Gémage, gemme. Voilà. C'est pas le gemme comme ça, c'est le gémage, c'est-à-dire récupérer tout ce qui était résine, et puis après ça fait la gemme. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le gémage. Allez, si la vidéo t'a plu, toujours pareil, le pouce levé. N'oublie pas de t'abonner à Marc Péchaud 3 parce que je suis la chaîne de la diversité et je le resterai. Et maintenant, la bonne question, c'est où est passé mon rococrime? Voilà, il est ici. Non, il faut que je revienne. Non. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut. Allez, au revoir. Oui, il faudrait que je puisse te dire au revoir. Bon, là, ce coup-ci, ça...